Là, t'as à cœur doux, là. Moi, je regarde dans le trou de la caméra, juste là. Là, tu fais l'amour à la caméra. OK, OK. Bienvenue à l'émission Fringe-moi du dimanche 16 juin. Oui, aujourd'hui, on reçoit Katia Réopel, Petit bout de femme, et Gabriella Hook, How to Build a Storm. Exactement. On reçoit maintenant l'entrevue Katia Réopel, hey! La charmante Katia Réopel, incroyable. Salut Jocelyn, salut Stéphanie. Allô. Alors, tu viens nous présenter un nouveau spectacle cette année. Oui, Petit bout de femme. Donc, nouvelle création, c'est toi qui l'écris. Oui, produit, écrit, mis en scène, très minimalistement, oui. Et joué par moi. De quoi ça parle ton spectacle? Dis-nous ça en quelques mots, mettons en une phrase, comment tu résumerais ton spectacle? Ayant cette peur atroce de mourir, virgule, j'ai précipité mon être vers la mort et je me suis dit, et si, arrivé à ce précipice, on me demandait, femme, qu'as-tu fait de ton talent? Oh! Alors la réponse, elle est à travers toute cette inspiration de femme qui nous habite, nous inspire et nous possède. Wow! Je sais que pour toi, visuellement, il y a le casse-tête qui revient souvent comme symboliste pour le spectacle. Puis pour toi, le casse-tête représente quoi face à ton spectacle? Ces différents bouts de femmes qui font qu'on est un tout, mais que chaque morceau a sa pièce unique et qui nous définit. C'est quel petit bout de femme qui est préféré à toi? Mon petit bout de femme préféré, c'est... L'amoureuse. Eh, bonne première. Merci. Oh, l'amour! Oh, l'amour! Fringe. Stéphanie, je suis un peu jaloux de tes talents de magicienne, parce que je me suis pratiquée toute la nuit, regarde. Hey! Hey, t'as vraiment perdu du poids! Merci. À tantôt. Now.
rien de tel que faire l'amour à la caméra, hein, Stéphanie? Ouais. Mais aujourd'hui, on a Kid Fringe qui se passe de midi à 16h. Et ensuite, le QDF Presents Theatricus Olympicus. Puis c'est à bon? C'est une petite puff? C'est pas un joint, c'est une cigarette. Ah, c'est bon. Bon Fringe.